André Michel te nan mikou la presse pour mande avec communauté internationale là pour retirer bien yo dans ce qui a passé en d'un pays. N'a pas rappelé yo et secteur démocratique là yo même qui te annoncé yon marche dans jour qui a venu là et sous chaîne masse là plus précisément zone palais national et yo te encouragé pour tout haïtien haïtienne conséquent rejoindre yo dans marche si là pour capable rendre yon dernier hommage avec ancien président république là Jovenel Moïse. Mais André Michel profite été lapidé comité international là et accusé comité international là dans ça qui a passé dans pays à journée aujourd'hui. Il a accusé des crises politiques, ça il a accusé des crises et sécurité ça depuis quelque temps qui a ravagé pays à et maintenant Michel même aller plus loin pour faire international là qu'on est depuis les Haïti t'a traversé une crise insécurité, une crise kidnapping, crise politique, yo pas de jambes choisi fouiller bouchou, yo pas de jambes choisi di yon mot. C'est pas kounia pour yo ta choisi vin di nou qui ça pour nous faire. Alors mettre André Michel a demandé avec communauté international là pour quitter haïtien gérer pays a et mandé pour tout haïtien en entier mettre tête ensemble pour capable retirer pays a dans ça que nous trouvons journée aujourd'hui. N'a rappelé au journée aujourd'hui Haïti qui plongé dans une crise insécurité vinn joindre assassinat président République là vinn la cause pays a vinn plonger plus dans ça qu'il était déjà trouvé. Nous parlons so garder et puis tendre comment ça tire dans micro la presse. Comment secteur démocratique là puis précisément mettre André Michel lui-même l'étape ba yon conférence pour la presse pour voir un message pinga by comité international là même avant nous les sou garder et puis tendre comment ça te dans micro collaborateur nous en prend quelques secondes pour nous saluer et puis remercier ou même qui regarde vidéo ça ou même qui était un fan inconditionnel ou même qui toujours like partager sans oublier quitter un commentaire en bas chaque grande vidéo que nous partager ensemble avec vous sous channel là ou même regarder vidéo ça et peut-être beaucoup abonné avec channel là n'a invité ou abonné avec channel là pour nous capables à grandir communauté GNGA. On regarde comment ça te est dans mes collaborateurs nous et puis après n'a tourner pour plus analyse. Communauté internationale, pas fait ingérence dans affaires pays à Jodia. Communauté internationale, quitte haïtien, haïtienne, travaille ensemble pour chercher une solution dans la crise. Nous condamnons l'ingérence de la communauté internationale. Parce que si blanc, c'est ça l'a fait là, l'a continué à pousser le premier ministre, il pousser le gouvernement, ça pral mettre le pays dans plus crise, ça pral mettez-nous dans une situation d'instabilité politique parce que personne ne peut accepter que ces communautés internationales-là qui viennent dicter qui pour dire qui ça qui pour faire,
Parce que les Jovenel t'ont crasé toute institution dans le pays, la communauté internationale pas dit rien. Les Jovenel mandat t'est fini 7 février 2021, ils font coup d'état, ils ont le pouvoir par la force, la communauté internationale t'est bébé, ils ont avec lui. Aujourd'hui, si nous avons une situation exceptionnelle, côté pas aucune solution constitutionnelle, communauté internationale là, les responsables, même gens avec Jovenel Moïse. Communauté internationale là complice, parce que ils ont été mis ensemble avec Jovenel pour écraser toute institution, ils ont été mis ensemble avec Jovenel pour faire un coup d'état 7 février 2021, le mandat Jovenel Moïse est fini. C'est ça la vérité. Et cette vérité, personne ne peut nier, pas qu'à quitter le tombé. Jodia, secteur démocratique là a travaillé avec les différents secteurs de la vie nationale, secteur politique. Là, matin, nous faisons une grosse réunion avec eux. Demain matin, nous faisons une grosse réunion. Nous travaillons tout avec la société civile là pour nous capables proposer à la nation haïtienne, sans délai, le plus vite possible, une formule pour nous résoudre la crise politique qui est là aujourd'hui. Et le secteur démocratique là a redit encore. Pas aucun groupe politique qui est capable imposer aucune solution là. Solution 1, c'est entente, c'est consensus, c'est compromis. Pas aucun groupe société civile qui a autorité pour proposer aucune solution. Quel que soit groupe société civile ou bien groupe politique qui met en tête, il a levé un matin pour le dire voici la solution, il trompe, ça ne peut pas marcher. Et c'est ça fait nous-mêmes nous dit, nous pas attachés à aucune solution particulière. Nous pas attachés à aucune proposition particulière. Nous voulons une solution consensuelle pour nous tous ensemble, pour nous capables de sortir du pays à nos alliés là. Communauté internationale, pas fait ingérence dans les affaires pays aujourd'hui. Communauté internationale, quitter haïtien, haïtienne, travaille ensemble pour chercher une solution dans la crise là. Nous condamnons l'ingérence de la communauté internationale. Parce que si blanc, c'est ça l'a fait là, l'a continué à pousser le premier ministre, l'a pousser le gouvernement, ça pral mettre le pays en plus crise, ça pral mettre nous dans une situation d'instabilité politique, parce que personne ne peut accepter que ces communautés internationales là qui viennent by dicter, qui pour dire qui ça qui pour faire, parce que les Jovenel t'a crasé toute institution dans le pays, la communauté internationale pas dit rien. Les Jovenel mandat t'est fini 7 février 2021, ils font coup d'état, ils ont le pouvoir par la force, communauté internationale t'est bébé, ils ont avec lui. Aujourd'hui, si nous avons une situation exceptionnelle, côté pas aucune solution constitutionnelle, communauté internationale là, les responsables, même gens avec Jovenel Moïse. Communauté internationale là complice, parce que ils ont été mis ensemble avec Jovenel pour écraser toute institution, ils ont été mis ensemble avec Jovenel pour faire un coup d'état 7 février 2021, le mandat Jovenel Moïse est fini. C'est ça la vérité. Et cette vérité, personne ne peut pas nier, pas qu'à quitter le tombé. Jodia, secteur démocratique là a travaillé avec les différents secteurs de la vie nationale, secteur politique là. Matin, nous faisons une grosse réunion avec eux. Demain matin, nous faisons une grosse réunion. Nous travaillons tout avec la société civile là pour nous capables proposer à la nation haïtienne, sans délai, le plus vite possible, on formule pour nous résoudre la crise politique qui est là aujourd'hui. Et le secteur démocratique là a redit encore. Pas aucun groupe politique qui est capable d'imposer aucune solution là. Solution 1, c'est entente, c'est consensus, c'est compromis. Pas aucun groupe société civile qui a autorité pour proposer aucune solution. Quel que soit groupe société civile ou bien groupe politique qui met en tête, il a levé un matin pour le dire voici la solution, il trompe, ça ne peut pas marcher. Et c'est ça fait nous-mêmes nous dit, nous pas attachés à aucune solution particulière, nous pas attachés à aucune proposition particulière, nous voulons une solution consensuelle pour nous tous ensemble, pour nous capables de sortir du pays à nos alliés là. Communauté internationale, pas fait ingérence dans les affaires pays aujourd'hui. Communauté internationale, quitter haïtien, haïtienne, travaille ensemble pour chercher une solution dans la crise. Nous condamnons l'ingérence de la communauté internationale. Parce que si blanc, c'est ça l'a fait là, l'a continué à pousser le premier ministre, l'a pousser le gouvernement, ça pral mettre le pays en plus crise, ça pral
mettez nous dans une situation d'instabilité politique parce que personne ne peut accepter que ces communautés internationales là qui viennent bailler dicter qui pour dire qui ça qui pour faire parce que les Jovenel t'a crasé toute institution dans pays là communauté internationale pas dit rien. Les Jovenel mandat t'est fini 7 février 2021, ils font coup d'état, ils gagnent le pouvoir par la force, communauté internationale t'est bébé, ils ont avec lui aujourd'hui. Si nous avons une situation exceptionnelle, côté pas aucune solution constitutionnelle, communauté internationale là, les responsables, même gens avec Jovenel Moïse. Communauté internationale là complice, parce que ils ont été mis ensemble avec Jovenel pour écraser toute institution, ils ont été mis ensemble avec Jovenel pour faire un coup d'état 7 février 2021, le mandat Jovenel Moïse est fini. C'est ça la vérité. Et cette vérité, personne ne peut nier, pas qu'à quitter le tombé. Jodia. Secteur démocratique là a travaillé avec les différents secteurs de la vie nationale, secteur politique là. Matin nous font gros réunion avec eux. Demain matin nous font gros réunion. Nous travaillons tout avec société civile là pour nous capables proposer à la nation haïtienne sans délai le plus vite possible une formule pour nous résoudre crise politique qui gagne là aujourd'hui. Et secteur démocratique là a redit encore. Pas aucun groupe politique qui est capable d'imposer aucune solution là. Solution 1, c'est entente, c'est consensus, c'est compromis. Pas aucun groupe société civile qui a autorité pour proposer aucune solution. Quel que soit groupe société civile ou bien groupe politique qui met en tête, il a levé un matin pour le dire voici la solution, il trompe, ça ne peut pas marcher. Et c'est ça que nous-mêmes nous dit. Nous pas attachés à aucune solution particulière. Nous pas attachés à aucune proposition particulière. Nous voulons une solution consensuelle pour nous tous ensemble, pour nous capables de sortir pays à nos alliés là.